Bon, ben, salut tout le monde. On se retrouve. J'ai le syndrome de la page blanche, là. C'est pas la page blanche, c'est la langue blanche. La langue. Bon. Salut, mes amis. Aujourd'hui, on est avec Joey. Joey Ringuette. Puis on s'en vient monter dans la boue. On s'en vient faire un beau petit hike. Joey, tu prendrais-tu ça en photo? Parce que si jamais on se perd... Prends-tu ça en photo? Ben, la map. C'est vrai qu'elle se si jamais on se perd, c'est comme intéressant au moins d'avoir la map avec nous autres. Ouais, fait qu'on est rendu proche de Notre-Dame de Montauban. Puis on s'en va faire un petit hike. Ça va nous durer... 7 km. Fait qu'on s'en va au Mont Otis. Là, on peut penser que c'est le Mont Joey, là, mais... Ben non. Bon, ben bon vlog, mes amis. Il y a zéro mouche. Non, je sais. Ouais, c'est vrai, il n'y a aucune mouche. Là aussi, on monte, mais on a un but, là. De monter, on est venu. Ici pour rien à faire. Ben, en fait, je vais le dire, là, mais ça va être bipé. On s'en vient dans le fond. Ça va être bipé, ça va être drôle. Et no joke, je commence à avoir mal aux jambes. Je pense qu'on va voir que j'ai déjà mal aux jambes. Ben, c'est ça que j'aime juste le dire. Ça veut dire qu'on arrive bientôt en haut, ça, Joey. Ben, le soleil. Le beau soleil. Le beau soleil, regarde-moi ça. La bonne vitamine D. Mouah! Attends, là, je parle, là, mais... Ok. Ah, ok. Faut suivre les petits cris de drapeau de la Pologne. Qu'est-ce que ça veut dire, Joey? Sauf ça, plus brûlant que monter le Mont-Tremblant ou quoi? Ben, c'est pas la même chose, là. Ah, le Mont-Tremblant, c'est... Parce que l'année passée, quand on a monté le Mont-Tremblant, il faisait chaud en tabarnak. Ouais, il faisait chaud, puis quand c'était à pic, c'était le tabarnak. Ouais, oh, c'est vraiment à pic, là. Il y en a qui sont sûrement déjà allés, là. Puis il faisait, je pense, genre 30, là. Il y avait de la mouche noire. Ouais, ben oui, il y a de la mouche. Là, on est bon, il n'y a aucune mouche, rien. C'est même pas boiteux. C'est aucunement boiteux. J'aurais pensé que mes flaques blanches auraient été dévastées, mais non. Une dinde sauvage! Là, j'avais fait un billy shot, mais Colin, c'est une dinde sauvage! Mais elle est trop loin, là. Ça, hey, ça rappelle des souvenirs, ça, Joey. Ben, tu te souviens au Mont-Tremblant? Non. Ok, ben, on monte une butte, t'es direct en haut, j'étais en premier. Ah oh, oui! Direct en haut, il y a une dinde! Il y a une dinde sauvage qui m'attaque, parce qu'elle avait des enfants, puis elle vient m'attaquer, est-ce que tu? Ah, elle donnait son show devant ses kids. C'est incroyable. Ouais, fait que c'est ça que ça m'a fait rappeler. Bon, ben là, maintenant, billy shot. On arrive, Carlis. On arrive. Joey, on est là. On arrive. Oh, le soleil. Oh! Je pense pas qu'ils vont t'arriver. Je vais pas te faire voir. Non, mais c'est quand même très stylé pareil. Ah, je comprends. Tu peux voir. Non, mais les caps de roche de même, ça me motive, Joey. Ça me dit qu'on va arriver bientôt. Regarde ça, la course. Ouh! Parkour. Parkour. T'es vraiment stylé, là. Les caps de roche, moi, ça m'attire. La mousse aussi, ça m'attire. Ah, oh, on arrive, Carlis, Joey. Je le sens. On manque d'air, là. Tellement qu'on est haut. D'oxygène. Gomme-moi un gros cap de roche à la droite. Ouais. À droite, ben, c'est ça, je t'ai dit. Okay. Un gros cap de roche. Oh my god. Oh my god. Check ça, hey. Je vous montre ça drette. Je vous montre ça drette, là. C'est parti. Bon, salut à tout le monde. On se retrouve au Mont Otis, les amis. Mont Otis, regardez-moi la vue. C'est incroyable.
méchante belle vue. Ah, pour vrai, c'est vraiment stylé. Honnêtement, Joey, là, genre, ça nous a pris quoi? Combien de temps, mettons? Une heure gros max, puis genre, c'est pas ton temps, genre, 1h15. On n'a pas été en vite, là, honnêtement. On arrête à prendre la place. Ouais, mais on n'est pas des tibus non plus. Ouais, non. Là, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les couleurs de l'été, les arbres, tout ça. Mais je veux dire, même à ça, c'est vraiment beau. Puis il y avait aussi plein de rubus, vous les avez vus aussi. Là, on va juste marcher un petit peu, on va essayer de découvrir des spots. Bon, les arbres. C'est tout des caps de roche aussi. C'est vraiment une folle. En plus, genre. C'est incroyable. On est pas tant haut, genre, mais. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on est à 325 mètres. Non, t'as plus que 300 mètres, c'est sûr. Non. C'est haut, 300 mètres, Joey. Ah, pas tant. Mais quand même. Ah, faut vraiment pas tomber en bas. Hein. Imagine ma caméra tombe en bas. Ça descend raide sur un. Ça descend raide sur un mob. Un bon moment. Hey, on va vraiment loin. Tu sais, on peut voir, il y a un feu à l'autre bout. Je sais pas si ma caméra est assez de qualité pour zoomer. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Le reveal de la surprise. Qu'est-ce qu'on va faire en haut du mont Otis? Ben, tu sais-tu qu'est-ce qu'on va faire en haut du mont Otis, mon grand chum? On va jouer aux échecs. Là, on joue. Comme ouais, c'est vraiment. Puis en plus, c'est vraiment bon. Ça travaille ton mental. Mais on va jouer en haut du mont Otis. Vraiment, je serais curieux de savoir s'il y a déjà eu une game qui s'est jouée plus haut que ça. Ouais, mais tu sais, quand on dit plus haut que ça, pas dans le niveau. Là. On parle vraiment d'élévation sur la terre. Je suis prêt à dire que c'est la game d'échecs le plus haut au Québec. Le plus élevé au Québec. Mais là, on s'en vient pour faire la partie numéro 1. On arrivera en Alassie par contre. Ben là, j'espère. Ah, ça gosse pas c'est pas les chaises 5 étoiles. Ouais, non. Ben mon choix, c'est quand même pas. Mais ouais, on va faire la game. Première game, on vous dit comment ça va finir. Je vais commencer avec les blanches. Puis Joey va commencer avec les noires. C'est parti. Bon. Là, la game est finie pour le vrai. Finalement, on fait pas de 2-3 parce qu'on vient juste de finir la game. Ça a pris quoi avec Joey? Minimum. Ah, c'est long, hein, Chris. Moi, j'étais en chest, là. J'ai brûlé, là. Ouais, finalement, j'ai gagné. J'ai gagné, ça a pris un méchant bout. Au début, j'ai eu un bon départ, après ça, Joey m'a surpris. Il est venu manger ma reine parce que j'ai fait un move d'épée. Mais ouais. Fait que finalement, c'est ça. La game est finie. Fait que c'est ça qu'on venait faire ici. Le vlog va s'arrêter ici parce que j'ai quasiment plus de batterie. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis j'ai plein d'idées. Là. Je vais essayer de vlogger au moins une vidéo par semaine. Des fois avec Joey. Bien souvent avec Joey. Sinon tout seul. Fait que je vous laisse sur cette belle vue du Mont Otis. À la prochaine, les amis.